Et vous mille jours de là pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo où j'enregistre là avec mon téléphone, ça enregistre et donc aujourd'hui nous allons parler d'un yokai. Oui, j'aimerais bien faire des vidéos sur des yokai et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à Makuhari no Bakemono. Makuhari no Bakemono est un yokai. Ouais, est un yokai ressemblant à des samouraïs avec une tête de melon. La traduction est monstre de melon oriental. Leur origine. Busson Yokayamaki est un célèbre rouleau de tableaux yokai peint par Yosa Busson, un poète et artiste qui vécut en 1716 et en à 1784, il est considéré comme l'un des plus grands poètes de la période Edo. Dans les années 1750, alors qu'il étudiait la peinture à Kenshoji à Miyazu à Kyoto, Busso a peint un rouleau contenant 8 griffonnages ressemblant à des graffitis de yokai bizarres. Ces griffonnages sont présentés comme des images avec des noms et sans histoire. La véritable origine de ces yokai reste donc un mystère. On pense qu'ils sont basés sur des légendes locales que Busson a choisies lors de ses voyages. L'illustration de ce yokai dans la peinture de Busson indique qu'il provient du fairy Fuvei, dans ce qui aujourd'hui le village de Yamashiro, dans la ville de Kizagawa, Kyoto. Quels sont les liens spécifiques de ce yokai avec la région? Il est malheureusement perdu. La région était historiquement célèbre pour ses melons, il est donc naturel qu'elle ait également eu du melon yokai. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, tout ça vient du site yokai.com, qui est un site répertoriant des milliers de yokai, je pense, et parlant de ces yokai, qui sont, ma foi, très 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 spéciales. Moi, pensant connaître tous les yokai, je suis assez choquée quand j'appuie sur la section random yokai qui m'amène sur des yokai bizarres. Et j'ai trouvé ces yokai sur le random, donc voilà. C'est la fin déjà de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue. N'oubliez pas, bye, c'est un dans Magic et croyez toujours en vos rêves.